Ça va mon Ted? Alors t'as pas écouté le podcast? Parce que je sens que t'as pas écouté le podcast en amont. Mais bro, j'ai même pas le temps d'aller pisser. J'ai pas le temps de lire un manga. J'ai pas le temps de regarder un film. Qu'est-ce que tu veux que j'ai le temps d'écouter un podcast? Non, mais attention, je ne t'en veux pas parce que ce que j'allais dire, c'est que personne ne le fait. Donc, ça. On les embrasse. Non, on les embrasse, bien sûr. Alors, n'hésitez pas, venez, on enregistre un peu ce podcast. Voilà, et après, bien sûr, vous pouvez l'écouter chez vous. On a suivi de Tranches de Cake qui est sorti hier. Est-ce que j'avais un mois de retard? Parce que dans le dernier podcast, t'as Reski qui a fait la promo pour son spectacle. Du 18 décembre, est-ce qu'on avait du retard? Ah le bâtard, il est en train de dire que vraiment, j'ai totalement oublié, c'est clair, j'ai totalement oublié que j'aurais pu bénéficier de ça. Et le buzz. Bravo, ah bah bravo. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Mais en fait, c'est quoi l'humour? Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast d'humour préféré, bien sûr. Qu'est-ce que c'est Encore un Banger? C'est très bien, on prend une info, une news, un fait divers, et on en fait un banger de l'humour, parce qu'on est là pour faire rire, bien sûr. Je suis toujours avec mon acolyte qui a joué devant 2000 personnes au 31 décembre, ce qui fait 2000 personnes, ce qui est accumulé. Qui a cumulé, c'est le nombre de personnes qui sont venues voir mon spectacle en 15 ans. Salut Areski, ça va? Oui, ça va. Non, c'était 3000, juste pour info. Mais donc voilà. On n'est pas une vache près, quoi. Vraiment. Ouais, on n'est pas. C'était un dimanche, quoi. Et vous voilà. entendez sa douce voix. Nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel. On a eu Thomas Desseurs. On a eu Tranche de Cake que personne connaissait. Et maintenant, on a. on a un middle entre Thomas Desseurs. C'est ça, on l'embrasse. On est entre nous deux. On l'adore. Vraiment, n'hésitez pas. Et on a aujourd'hui Ted Etienne, comédien. Notamment, tu as fait des films comme OSS. Oui. Humoriste, tu as joué notamment au Mans. Et bah tu serais surpris, mais au Mans, mais pas tant que ça, c'est surtout partout en province, hein, je t'avoue. Oui. Et j'ai évité Paris parce qu'il faut payer donc pour jouer, mais et dans l'idée, ouais, ça s'est bien fait pendant 3 ans. Ah oui, bah je sais bien qu'il s'est payé à Paris, j'ai perdu 10 000 euros. Alors, et voilà, nous avons Ted Etienne avec nous. Bonjour Ted Etienne. Et on finit sur Twitch. Oh la descente aux enfers. C'est clair. Clair. Bonjour Ted Etienne. Ça va Ted? Ah bien le bonsoir, comment ça va? Je suis très content de t'avoir ici. On avait un petit moment que t'avais dit oui, t'avais un emploi du temps, ce que je comprends, parce que toi tu as une carrière et bravo à toi. Bravo à toi. Ça me fait ça. Juste aujourd'hui j'en avais une, après je sais pas en sortant de cette émission. Mais j'ai enlevé tous les trucs un peu bizarres qu'on peut faire des fois. Mais voilà, il n'y a que Areski qui peut ramener des choses là-dedans. Mais bon, voilà, c'est Areski. On lui pardonne. Et moi, maintenant, j'aimerais sécuriser ma carrière également. Donc, t'inquiète pas, aujourd'hui, on va parler que de chocolatines, de tartines. Ou même pas. On va même pas aller sur le sujet des chocolatines parce qu'il n'y a pas un chocolat-chocolatine. On ne veut pas avoir un seul débat. C'est en ça. Fait, aujourd'hui. Et puis, on risque de parler de Macron en plus. Pas de débat, d'accord, ok, bon, on annule. On annule. Non, il faut être le plus consensuel possible. On va pas parler de Rachida Dati, rien de tout ça, les cultures, bon bref. C'est trop. Rien. Déjà, même là, tu viens de dire juste dans Rachida, il y a Rachid, et là, on vient d'être flagué par Amazon. On vient de passer un moment dur, d'accord, ok, je comprends. C'est quand même extraordinaire de mettre quelqu'un dans un ministre qui n'y connaît rien. Tu sais, c'est quand même fabuleux, quoi. Un ministre ? Dans un ministre. Non, je crois que tu confonds le ministre. Mais il y a peut-être un président qui était dans un ministre. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas peut-être selon les tests de grossesse, mais sinon... Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Allez, premier banger insolite. Fin des recherches du baigneur à Nice, hein, qui avait disparu malheureusement. Et ils l'ont retrouvé, en fait, parce qu'il était rentré chez lui. les mecs pensaient qu'il était disparu. Mais non, juste il s'était baigné, puis il était rentré chez lui, tranquillement. Il s'est demandé pourquoi on me cherche, mais parce qu'on pensait que tu étais décédé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que les mecs qui sont à sa recherche pendant des heures, ils n'ont pas eu le seum et qu'ils espèrent peut-être au fond d'eux qu'ils soient vraiment disparus, tu sais? Mais ça a mis combien de temps avant d'initier les recherches là en fait? Je vais regarder ça.
Eh ben, tu sais quoi, ça fait écho au film que j'ai vu hier, et d'ailleurs j'encourage les gens à voir, Le Cercle des Neiges sur Netflix, qui est une véritable petite pépite, tu vois, les réseaux en parlent, et j'ai été hypé là-dessus. Les réseaux en parlent. Les réseaux en parlent, mais parce que c'est ça qui m'a hypé, j'étais en mode, mais pourquoi tout le monde qui ne regarde jamais de cinéma, ou du moins me chie à la gueule dès que je commence à parler de cinéma, se met à parler d'un film. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, on va aller regarder. Et il est vrai. Petit film espagnol, enfin non, grand film espagnol finalement, sur Netflix, que je vous encourage à voir. Et c'est exactement le concept de se dire, bon bah, il y a des mecs paumés dans la montagne, on va arrêter les recherches, comment vont-ils survivre pendant plus de 70 jours voilà, au beau milieu des montagnes. Ça, c'est hyper intéressant. Spoiler, ils vont manger d'autres personnes. C'est, le... c'est ce que disent certains, le film s'appelle Le Goût des Autres. Vraiment, le film, ils avaient déjà fait un film ou un téléfilm sur cette histoire de truc de rugby et tout ça. Oui. En fait, ils vont le refaire tous les 20 ans à peu près, ils vont refaire ce film. Comme les Astérix, quoi. Vivement que... Mais ils changent de langue à chaque fois, parce qu'à la base, c'était un film qu'ils ont tourné en anglais, maintenant ils le tournent en espagnol. Voilà, c'est Netflix, ça, c'est les grands changements. Bah, après, par contre, ça posera une question, c'est est-ce que, par exemple, ce film-là sera nominable au César ou des choses comme ça ? Normalement, oui, ça, parce que là, il y a Maestro de... Comment il s'appelle ? Je sais plus comment il s'appelle. Bradley Cooper. De Bradley Cooper sur Netflix, il est aux Oscars. Ah oui, alors Oscar, qu'il est que sur César, Netflix. C'était chez nous, Oscar. Mais tu vois, ça ouvre gentiment la porte. Ouais, non, mais je pense que c'est un bon truc, c'est bien. Puis c'est bien que les gens regardent autre chose que Squid Game. Donc, j'en reviens sur mon baigneur, moi. Squid Game, t'es resté en 2021. Pour le coup, c'était pas mal, hein, Squid Game. Hein, en vrai, oui, c'est clair. Je préfère qu'ils regardent autre chose que Casa de Papel. Là, tu peux peut-être. C'est vrai que Casa de Papel, c'est l'enfer. Donc, je sens que vous n'avez pas du tout d'inspi sur ce mec-là. Ah oui, non, pardon, sur ton, sur ton histoire. Excusez-moi, j'ai une émission à présenter, moi, monsieur. Non, mais oui. C'est le principe du podcast, ouais. Quel est le concept du podcast ? Je suis désolé, moi, je débarque, mais là, on va parler d'un mec avec. On est censé être drôle. Mais qu'est-ce que j'en ai à carrer ? Un mec qui a fait le papillon crawler sur 200 mètres et qui, après, rentré chez lui, regardez le cercle des disparus, là. Le cercle des neiges, j'en ai rien à carrer. Qu'est-ce que t'as fait ? Mais attends, parce qu'on est d'accord que le gars il est juste allé pêcher et les gens ont décidé qu'il avait disparu. Ouais, bien sûr. C'est il a des... Oui, enfin, il était en prison. C'est pour ça. Non. Il y a une question piège, tu sais. C'était le président peut-être. Mais où il est ? Non, mais je vois pas le truc. Je pense peut-être aussi, c'est peut-être un mec. Ils se disent à tout moment, il va partir, tu vois. Genre, c'est peut-être le. Bon, c'est vrai. Allez, ce truc, il sert à rien. On va changer l'info. Mais c'est non, pas mais, grave. Non, je mais veux... alors, attends. Mais non, si, mais j'ai non, une question. Mais... J'ai une question. Qui a donné l'alerte au secours et qui a surtout pas donné l'alerte qu'il était rentré. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. L'idée. C'est, moi, je c'est pense quoi, c'est la même sa personne. Femme. C'est sa femme. T'es sûr qu'il va disparaître en fait, ça y est, j'ai trouvé. Sa femme est flic. Et du coup, dès qu'elle recherche un truc, sa femme, bah, du coup, il y a un mandat de recherche. Tu vois ce que je veux dire Officiellement, le gars, il était recherché, mais voilà. Ok, c'est super. Tout ce que je peux. Les mecs, c'est tout ce que je peux faire pour t'aider. Hein. Non, franchement, absolument. Mais Nice, grosse info à Nice, hein. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Non, mais après, des fois, il y a des mauvaises histoires et c'est en France en plus. Oui, c'est en France. Enfin, c'est en Nice. Mais moi, j'ai l'impression qu'en France, je sais pas, tous les gens qui se font kidnapper et tout, c'est pas comme aux États-Unis. Genre, en fait, en France, quand quelqu'un a disparu, tout le monde fait genre. C'est pas grave. On verra plus tard. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas ce truc de mettre de photos sur les bouteilles de lait. Tu vois, les Américains plus. Oui, quoi. Déjà, oui, mais parce que. À un moment donné, il y a un vrai point. Non, mais c'est vrai, qui récemment s'est pris un petit verre de lait. Il y a des photos sur les céréales. Ouais, voilà. Il y a des photos sur les céréales, il y a un petit singe qui est recherché depuis des années, quoi. Et qui a disparu. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne. Nouveau banger, on passe vite. Les pas si grosses têtes, je vais vous poser une question et vous devez essayer d'y répondre. Première question, que se passe-t-il dans le corps d'un être humain juste après sa mort ? Juste après sa mort ? Bah, il perd 23 grammes, c'est le poids de l'âme, je crois. Ah oui. 21 grammes, ouais. C'est ça. Oh, j'ai vu le film aussi, c'est bon. On n'est pas obligé de se péter. C'est ça, c'est tout. Non, c'est pas ça du tout. Parce que on est là baisé, pour. Ou... Là, on est là pour des vrais trucs. On n'est pas là. Attends, pour... non. Il faut essayer de penser comme Léopold. Un truc du genre, il se chie dessus.
C'est ça que tu veux qu'on dise? Non, bah, justement, il ne se chie pas dessus, il ne gonfle pas, comme on pourrait dire dans le chat. Non, mais il y a ses ongles qui poussent et ses cheveux qui poussent encore pendant, genre, je sais pas, quelques jours, quoi. Bien sûr, mais c'est encore une autre chose. C'est, ça se passe plutôt dans le cerveau. Alors, est-ce que tu, ouais, est-ce que, voilà, tu peux préciser la question parce que... C'est pendant le cerveau. Dans le cerveau, bah déjà... Ah, mais j'ai appris ça, mais il faudrait que je revérifie avec d'autres études, mais il y a des zones qui peuvent s'illuminer un petit peu alors qu'elles étaient mortes, tu vois, mais juste avant de mourir. Exactement, quoi. Allez, je vais avancer. Quand vous mourrez, votre cerveau reste actif pendant 7 minutes, c'est énorme, et il fait défiler vos souvenirs sous forme de rêves. Et c'est pour ça qu'on a ce truc de dire qu'on voit ça toute sa vie défiler avant de mourir, mais en fait, tu la vois après mourir, donc ça sert pas à grand chose. Donc si à un moment donné je fais un rêve dans mon lit de moi à 4 ans, c'est mal barré, quoi. Oui, c'est que t'es mort, c'est que ta femme elle est partie du non dos. Mais plus que ça, Ted, c'est à dire que là même on est peut-être dans ton rêve avant de mourir, en fait. Enfin, c'est un cauchemar, c'est ouais, parce que moi je vais te dire, j'aimerais bien que ça finisse. Bah, alors de ce que j'en sais, ça finit dans 38 minutes exactement. Donc vraiment, tiens le coup, frère. Tiens le coup. Nos carrières, ils ont encore 37 minutes à survivre. Ils se suicident en live sur Twitch. C'est... Oh merde. C'est bon ça. Nouvelle question. Il y a deux questions aujourd'hui. Que se passe-t-il dans votre vie quand vous tombez amoureux? Ça, vous êtes amoureux tous les deux et ça c'est beau. Bravo l'amour. Ouais. J'espère que la personne. Dans notre vie. Ouais, qu'est-ce que c'est de ta vie de tous les jours, ta vie de tous les jours, scolaire, autour quotidienne, de toi, ouais. Autour de toi, voilà. Et bah, déjà être en couple, c'est avoir des emmerdes qu'on n'aurait pas eu tout seul, c'est déjà une première chose. c'est vrai. Moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, être en couple, ça me donne un toit, parce que c'est ma femme qui paye la maison, et donc du coup, moi, ça me donne un toit et à manger. Donc voilà. Et je peux perdre du temps en faisant des podcasts que personne n'écoute. Tu as plus de meubles. Non, non. Alors, c'est plutôt l'inverse. Tu perds des choses. Tu perds des choses. Je perds des choses. Ouais. Alors, des cheveux. Faut penser quand t'es en couple. Par exemple, t'es avec une meuf. Par exemple, Ted. Je te parle à toi, mon T12. Oui. Oui. Je peux t'appeler mon T12. Oui. Vas-y. On est plus à ça près, frère. Ouais. Franchement, c'est un bon. On est assez open bar là. Vraiment, tu peux y aller. 36 minutes. 36 minutes et 24, 23, 22. T'es 12, quand t'es sorti avec ta copine, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui se sont dit, elle est pas cool, tout ça, machin? Eh ben non, absolument pas. J'ai de la chance de sortir vraiment avec une chérie que j'aime de tout mon cœur et qui en plus a emporté tous les suffrages auprès de mes copains, de ma famille. Et Dieu sait que c'est important quand même de trouver une moitié qui match dans tous ces plans-là. Et parce que pour moi, les copains et l'avis des copains est hyper important. Au-delà de celui de la famille, d'ailleurs. En soi, celui de la famille, je pourrais m'en passer. Mais celui des copains, c'est un peu plus compliqué parce que vraiment, je suis quelqu'un de très, très sociable. Et non, ça a été merveilleux sur ce plan-là. Donc non, moi, j'ai perdu personne. Bien au contraire. Et ben du coup, tu fais pas partie de la moyenne française parce que quand on tombe amoureux, en moyenne, on perd deux amis. Voilà. Ah bon ? Est-ce que, ouais. Moi, je sais que j'ai perdu des amis à cause d'une fille, tu vois. Et en fait, Mais attends, si tu sors avec une connasse, peut-être. Ah bah oui, avant. Moi, j'ai... avant bah, par exemple, attends, je te donne un exemple très concret. J'ai un copain qui est sorti avec une connasse, mais la connasse, hein, vraiment le niveau suprême, c'est-à-dire qu'il nous la présente, premier jour, on est au resto, donc on est content pour lui, on ne la connaît pas encore cette fille, donc pour nous, pour le moment, c'est une fille sympa. Et on commande, etc. Et là, j'ai un de mes potes qui dit, c'est pour moi le resto ce soir, je vous le paye et tout, on était 6 à table. Eh bien, crois-moi bien qu'elle a repris le menu et qu'elle a commandé le plat le plus cher et elle a payé, elle s'est pris une bouteille de cidre pour elle toute seule. Et à partir de ce moment-là, on a regardé notre pote et on s'est dit, frérot, tu vas partir dans les limbes tout seul. Et donc, on y a dit qu'on l'a trouvé que c'était une connasse et il nous a dit, mais les gars, je vais faire ma vie avec elle et pas avec vous. Donc, salut, bonsoir. Et donc, bah, lui, il n'a pas perdu qu'un pote, il a perdu toute une bande de potes. Mais voilà, est-ce qu'il est encore avec elle? Oui, ils sont très heureux en Mayenne. Alors si on peut être heureux en Mayenne, voilà, d'ailleurs, c'est, mais ça, bon, bref, c'est ça la question. On embrasse les Mayennais. Mais ça c'est peut-être aussi le problème de votre bande de potes, c'est que vous baisez pas ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, il a été obligé d'aller chercher le sexe ailleurs. Ouais. C'est ça. Non, mais alors, peut-être. Mais vas-y, parle-nous-en. Toi, tu as l'air d'être calé sur le sujet. Alors toi et tes potes, par exemple, avec Léopold, on baise beaucoup.
Est-ce que vous faites ce qu'on appelle des parklettes, c'est-à-dire une petite raclette et après une petite partouze? Vraiment, ah, okay. Une parklette. Ouais, c'est, tu m'as vendu le titre, j'adore. Ouais. Des parklettes, ça sera le titre du podcast. Allez, ah, ouais. Ça, c'est il faut faire gaffe avec les parklettes, c'est que quand tu verses le fromage sur le corps de quelqu'un d'autre, il faut quand même qu'il soit rasé parce que sinon ça tire, ça fait mal. Voilà, ouais, ça... Et bienvenue, Brigitte. Et on embrasse Brigitte. Mais alors d'ailleurs, dans une parklette, la partouze avant ou après la raclette? Moi, je dirais les deux parce que, en fait, tu kennes, tu fais un gros truc, tu pendant tu l'apéro. Tu kennes pendant l'apéro. Ouais, tu kennes pendant l'apéro, shooter sur les nombrils, bretzel dans l'anus, enfin des trucs du plaisir. Tu manges, tu baises, après, tu après, manges, ça, comme ça, t'as le temps de te recharger un peu. Moi, j'ai besoin de 22 minutes pour me recharger. Et après, tu manges en et moyenne. Après, tu requennes. En moyenne, bien sûr. Bien sûr. Je pense que c'est ma technique. Je crois que tu rajoutes une minute par âge, par année de temps. Allez, 40. Et par caquelon de raclette que tu as utilisé. Tu rajoutes une minute aussi. Oh l'enfer. Voilà, après, si on peut parler de ça, moi je refais jamais deux fois l'amour. C'est question de principe, c'est surtout que je peux pas. C'est surtout que. Voilà. C'est ça. Très bien, très bien. Eh bien, super. Eh bien, merci, c'est cool. En tout cas, bonjour à tous dans le chat. J'espère que vous allez bien et que vous rigolez. Voilà, et c'est le plus important. Bien la façon de présenter de Léopold, en fait, on dirait qu'il a un paperboard et que, c'est une fois que le banger, il considère que oui, c'était assez drôle, il fait pas très bien. Allez, ouais, ça, allez, c'est torché. Parce allez. Qu'après, je monte tout, donc après, voilà, c'est, c'est bien. On passe à l'autre. Allez, tu veux... Tu veux pour te faciliter le montage, tu veux genre qu'on laisse genre une seconde de silence et non. Qu'on tape trois fois oui. Comme ça sur Adobe Premiere, tu peux voir les pics, tu sais quel banger garder. Oh, tu sais j'ai le plaisir de réécouter les deux. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Insolite, les habitants de Hong Kong sont invités à regarder les fumeurs avec désapprobation quand ils fument une cigarette, quand ils allument une cigarette. Donc voilà, il y a un gars qui fume, toi tu le regardes, genre tu dis, t'es vraiment un connard d'avoir un concert ou je ne sais pas quoi. Voilà, je trouve ça horrible. En fait, pour moi, j'appelle ça Paris, parce que c'est quand t'es en trottinette ouais, à Paris, mais... t'as tout le monde qui te regarde mal, tu sais. Surtout quand mais, c'est cool d'avoir le gouvernement qui invite les gens à faire quelque chose. Déjà, tu vois, c'est pas une loi, c'est juste qu'on vous invite à faire ça. Et en l'occurrence, vous t'invitez à être un connard, j'avoue que oui. C'est beau. Pourquoi pas. C'est beau. C'est que pour la cigarette ou ça marche aussi pour le petit joint? Enfin, je sais pas. Oula, quelle est, bah ça, quelle est la limite? À Hong Kong, je suis pas sûr que déjà s'ils ont Hong du mal Kong, avec la sais cigarette, pas, ouais. Je sais pas trop. Tu sais. Mais en fait, c'est marrant, c'est que je pense qu'il y a des gens, ils doivent kiffer faire ça. T'es. Tu sais, vraiment, ils sont là, ah yes, on m'autorise à être une grosse merde. Et puis, ils sont là, ils te... Tu sais, c'est comme les vieux. Entre un regard un petit peu désapprobateur et de la fumée de tabagisme passif qui va te faire un cancer, bon, ok bon. Après, il faut vraiment beaucoup de Alors, soumets. Moi, je t'explique que quand la Chine va annexer la France, ça va venir dans deux mois, normalement. J'ai reçu le mail, la liste d'État. À Noël, il jouait Ben Laden, l'an prochain, il jouerait Kim Jong-un. Tu vois, vraiment, il n'aura pas le choix. Quoi. Je vais me faire Mao et je vais faire truc, ouais. Et que du coup, voilà, moi, je le ferai avec plaisir. Déjà que je le fais en freelance déjà, donc voilà. Toi, tu fais... Je suis sûr qu'Areski, toi, t'es le genre de mec, est-ce que dans un train, quand il y a un bébé qui pleure, quand c'est pas le tien, tu dis... Tu sais, tu fais juste le geste comme ça de faire un peu moins de fort, tu vois, le son. Tu... Bah, un... Non, parce que c'est pas pareil, un bébé, ça fait partie de la société, en fait, tu vois. Fumer, tu peux gérer ton addiction loin de moi. Tu vois. Moi, en vrai, si tu prenais de la coke à côté de moi, j'en aurais rien à branler, parce qu'il n'y a pas du cocaïnisme passif, tu vois ce que je veux dire ouais. Si tu te piques si avec de l'héroïne à côté de moi... Il y a zéro problème aussi, ou même d'ailleurs, donne-moi un petit peu. Bon. Mais... Oh, bien sûr, nous. La cigarette. Ah, c'est vraiment Paris, toi, c'est vraiment. c'est vraiment des ambiances de bout de la lettre. Toi, la parklette, tu vas adorer. Hein. Par contre, fais gaffe, hein. Si tu sniffes de la coke sur des culs, du fromage à raclette, c'est une autre ambiance. Hein. faut des grosses narines, quoi, c'est vraiment. Pour un gros débit. Et toi, Ted, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens ? J'ai une paille en morbier. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez les gens, Ted ? Il y a un truc chez les gens. Ouais, est-ce qu'il y a un truc qui c'est... Oui, c'est la malhonnêteté ou les cons. c'est terrible. Non, ben oui, mais on en est entouré en plus, donc c'est vraiment compliqué. Ça se trouve, je le suis moi-même par moment. Hein, mais non, ce qui vraiment m'énerve. En vrai, les bébés dans les transports, les enfants dans les transports, c'est des fois c'est compliqué, mais tu peux pas leur en vouloir. Faut bien qu'ils les transportent à un moment donné. Ouais. Et moi j'ai dit à la SNCF, faites des putains de wagons
enfant, bah, enfant comme difficile, avant. Tu vois ce que je veux dire. Il dit zap et il dit zen. Enfant difficile. Ouais. Non mais c'est vrai, fais chier. Moi j'ai payé 100 balles mon aller-retour Strasbourg-Paris, tu vois, en première classe. C'est pas pour me retrouver à côté de Joséphine qui a ramené son petit Billy 2 ans sans bouquin, sans jouer. Donc tu sais qu'il va péter les couilles pendant 2 heures. Parce qu'elle, elle n'a pas voulu se charger de prendre un petit jouet histoire qu'il s'amuse avec autre chose que ses crottes de nez. Non, là, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose parce qu'un parent qui n'a pas amené de quoi canaliser l'énergie de son enfant, oui, c'est de sa faute. Ah ouais. Mais tu vois, les gosses qui font du bruit alors que tu vois que les parents, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient là, genre à la limite, oui, ils ont créé une PS5 portable ou quoi. Exact. Et que le gosse, il fait chier là, tu fais bon, bah. Il faut l'euthanasier, effectivement. Bravo. Moi, ce qui m'énerve, c'est les parents qui veulent pas de dessins animés, machin, ce que je peux comprendre. Mais dans les trains, mon pote, enfin, franchement, ça fait du bien à tout le monde, en fait. C'est pas pour les 20 minutes, une demi-heure qu'il va regarder, tu sais. Et la dernière fois, j'étais avec mon fils. Oh, papa. Et c'est pas parce que tu gères mal tes enfants qu'on est tous. Ouais, voilà. C'est mal géré. Genre, tu sais, ça va, c'est pas non plus genre un peu de cocaïne parfois, c'est pas non plus ouf. Non, mais attends, on va le juger maintenant. Alors, les dessins animés que tu leur montres, c'est quoi exactement? Ah bah là j'ai trouvé un super dessin animé, ça s'appelle Batwheel. C'est le cercle des neiges. Non, Batwheel. C'est des gens, ils se mangent ensemble et après ils font libérer, délivrer. Attends, je vais regarder ce que c'est Batwheel. Batwheel, c'est des voitures de Batman. Et en fait, mais c'est de la merde. Pourquoi regarde, nous, ce qu'on regardait quand on était gosses, c'était de la merde. Moi, en vrai, genre Batman, The Animated Series qui passait sur France 3 quand on était petit, moi, je peux la regarder maintenant parce que c'est cool. Bah oui, mais là, en il fait, a 3 pourquoi ans. Moi, aujourd'hui, les gosses, on leur passe que des trucs de gosses, en fait. Faut arrêter. Non, mais il a... Quand j'étais petit, je regardais Code Quantum et ça passait très bien. Non, en fait, Batwheel, c'est Cars, en fait. Ouais, c'est Cars, mais avec Batman. Mobile. Ouais, en version Wish. Et c'est sur Prime, n'hésitez pas à vous abonner à Prime. Attends, il y a moins de 20 minutes, tu leur chies à la gueule et maintenant tu les autosuces. Choisis ton camp, mon ami. Hein. À un moment donné, on tu sait peux jamais. Pas tout faire. On sait jamais si tombe sur la vidéo. Non. Et là, en fait, il place ses billes sur Kick aussi au cas où. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Non, alors, mais... tu sais qu'il faut éviter de prononcer ce mot sur cette plateforme. Tu pourrais te faire disparaître à tout moment. Tu connais le Shazam de Thanos. Ça peut arriver très vite sur ta chaîne si tu continues à parler de ce truc. Le Shazam de Thanos. Eh bah oui, bah tu connais pas le hop, oui. C'est un truc dans Twitch, c'est ça? Non, c'est le MCU. Non mais c'est le claquement de. Alors attention, parce que là ça veut dire qu'Areski, il y a pas la ref. Non mais tu sais quand. Non mais le Shazam, je vois pas le rapport avec Shazam de Thanos. Eh ben bah, non, c'est parce Shazam, que Shazam il se transforme. On dit qu'il Shazam. Bah oui. Ah bon? Quoi? Moi je savais pas. Mais quand on dit qu'il snap, le snap de Thanos. Oui. Ah ouais le snap, ouais, c'est pareil. Ouais. Ah le. C'est pareil. En fait, Thanos. Ouais, le snap, doigts, le snap, c'est d'un vrai. Coup, bon, le d'un snap, coup, tu découvres Thanos. La chanson qui était dans ta tête et tu fais genre ah mais oui, ah, c'était d'ailleurs. C'est ça. Oh l'enfer. Ouais, bon bah voilà, c'est ça le snap. Voilà. Le fameux. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne. Nouveau banger, on va roaster la ville de. Grenoble. Est-ce que t'es déjà allé à Grenoble, Ted? Non, mais alors, attends. Mais non, mais il faut avoir des motivations pour aller dans cette ville. Je dis pas que je n'aime pas Grenoble, mais c'est vrai qu'elle n'encourage pas au plaisir charnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que je n'ai pas de mouvement pénien au moment de savoir que je vais à Grenoble. Tu vois, je me dis, bon, Grenoble. La tu vois, cuvette. C'est pas... En fait, Grenoble, c'est fou parce qu'il fait très chaud l'été et il fait très froid l'hiver. J'y habitais pendant 3 ans. C'était vraiment un truc de ouf. Tu sais jamais. Ah ouais. Et c'est habité pendant 3 ans dans quel contexte? Quand t'étais jeune? En fait, j'ai travaillé dans AST Microelectronics. Je réparais des machines là-dedans. Et voilà, et j'habitais à Grenoble là-bas à 23 ans, 24 ans. Alors c'était cool pour faire la teuf, parce que les gens ils ont plus rien à perdre là-bas, donc c'est toujours agréable. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment une cuvette de ouf. Et c'est marrant parce que c'est là-bas, moi j'avais fait une fois le Beaujolais nouveau. Ah, et oui, en fait, là-bas, et là-bas, ils pètent des câbles pendant le Beaujolais nouveau. L'année où j'ai fait, en fait, ils se battaient tous avec des bouteilles en verre dans les rues. C'était un truc de ouf. Et du coup, juste après.
Ils ont interdit les bouteilles en verre pendant tous les Beaujolais, fêtes du Beaujolais. Enfin voilà, c'est Grenoble, quoi. C'est magnifique. Magnifique. En fait, c'est une ville qui a été peuplée par les gosses trop agités dans la SNCF. Ouais, je crois, ouais, je pense que c'est qu'en fait, dès que ton gosse il répond plus aux ordres, il l'emmène à Grenoble. À en fait. Grenoble. Et toi, ouais. tu fais un bisou, tu fais le truc de Hunger Games un peu comme ça. Bonne chance. Et c'est quoi, maintenant, je ne regarderai plus les quais de gens qui vont à Grenoble de la même manière. Quand je verrai des enfants seuls, je dirai « Je sais où tu vas. » Je sais où tu vas. Oh l'enfer. C'est juste derrière. Non, voilà. Non, mais il y a une armée d'hyperactifs là-bas et du coup, après, bah, ça se bat avec des bouteilles de verre apparemment pendant le Beaujolais, quoi. Écoute, qu'est-ce que tu veux. D'accord. Et tu as survécu donc à cette soirée de l'enfer, alors. Ouais, c'était sympa. Tu t'es battu aussi avec des bouteilles. Non, parce que moi, je suis vraiment un effragile énorme, donc je suis pas... Je suis rentré chez quand moi. On est à Rome, oui... Quand t'es à Rome, on fait comme les Romains, c'est ça. Non. Mais, non, oui. Non. Mais par contre, c'est vrai que c'est une vraie fille. Pour le coup, je dis un truc cool. C'est un vrai truc pour faire la teuf. C'est vraiment ultra cool, Grenoble, pour ça. C'est juste. Non, mais est-ce que c'est juste t'avais 24 ans et tu faisais la teuf, ouais. Donc c'est pas bien pour faire la teuf. Parce que je suis un clavard, c'est pas ouf. Mais parce que j'ai 42 ans. Mais... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si tu sors pas faire la teuf, donc forcément, ouais. Oui, c'est rien n'est bien pour faire la teuf quand tu sors pas faire mais la est-ce teuf. Est-ce que tu penses que tu peux faire la teuf à Clermont-Ferrand à 22 ans? Tu te dis c'est cool pour faire mais... la teuf. Non, mais tu n'as pas le choix en fait. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut de l'alcool. Tu vois, mais dans certaines situations, dans certains endroits de France, c'est une nécessité. Tu vois, tu parce que le matin, quand tu te lèves et que tu sais que tu es là où tu es, tu te dis non, mais là, envoie-moi un shoot. Tu vois, vraiment, c'est. Mais bien sûr. Voilà. Et peut-être que Grenoble en fait partie. Quand tu lis des études d'historiens et que tu te rends compte qu'en fait, avant, vu qu'ils n'étaient pas sûrs que l'eau n'avait pas de bactéries, ça buvait de l'hydromel tout le temps, et que tu te rends compte que jusqu'en vrai, jusque dans les années 50, tout le monde était bourré en fait. Tous les gens à qui tu parlais dans la rue, tu vois ce que je veux dire, qu'il y avait un taf, à la cantine, ils étaient bourrés en fait. Il y avait de l'alcool. Tous. Et du coup. Tu te dis, bah oui, tous les gens qui déjà vivent dans des fausses villes comme Grenoble, par exemple, hein, Clermont-Ferrand, des choses comme ça, des trucs où en vrai, les gens, ils se disent pourquoi on est bloqué ici. Un peu les limbes de la France. Bah, forcément, ce qui peut les sauver, c'est que l'alcool, oui. Ou diverses drogues. Mais bon, je crois que les autres drogues ne sont pas encore arrivées, pour te dire. On va se faire insulter. Alors que le cannabis existe depuis des milliers d'années. Voilà, après, chacun se débrouille comme il peut. Quoi, mais... Et ça fait plaisir. On va bien se faire insulter par les grenoblois, mais en même temps, est-ce qu'ils ont vraiment internet? Là, c'est le roast ou pas? Ah, c'est oui, le roast de la ville. Oui, sûr. C'est ça. Bah, ils n'ont pas la fibre et tout. Bien ils peuvent sûr. Te regarder en 160p, je crois. Non, y a un... c'est ça. Non, Twitch, ça arrivera que dans 3 ans. Donc on est bon. C'est comme le symbole d'une étoile, tu vois, elle brille au loin. Bah, eux, ils vont avoir l'illumination que dans peu de temps. Ils voient les autres qui ont internet. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Selon la légende urbaine, selon certains mythes, les taches de naissance montrent où vous avez été tué dans votre vie antérieure. Ça veut dire que moi, j'ai été tué par les fesses. Écoute, ce qui est vraiment un truc pas ouf comme fin. Parce que j'ai une tache de naissance dans les fesses. Vous avez des taches de naissance, vous, les gars? Dans les fesses. Sur les fesses. Dans les fesses. Sur les fesses. Ah, sur les fesses. Dans une ministre. Okay. dans une... est-ce que j'ai non j'ai pas de tâche de naissance. Alors après, est-ce que ça rebondit sur les jeunes âmes et tout ça là? Est-ce qu'on va parler un peu après de New Age un peu? Ouais, c'est ça, dans l'idée. Non. Ou... non, c'est juste pour savoir, parce qu'en fait je trouve c'est vouloir expliquer quelque chose de rationnel, une tâche de naissance sur le corps, par un truc un peu bizarre. Pourquoi? Alors ça veut dire que ceux qui ont pas de tâche de naissance, Jean-Luc Reichmann, il a pris une balle pleine tête, c'est pas possible. C'est vraiment c'est l'enfer. Il a pris de la chevrotine en direct. Et Grand Batchef, il a pris un gros pot de terre sur la tête ou un truc comme de fleurs. Jean-Luc Reichmann, je crois que c'était le seul qui a défendu la ligne Maginot. Et direct. Il a tout pris. Oh putain. Moi, j'en ai pas parce que j'esquive les balles comme Néo. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais pas, ouais, non, j'ai pas de tâche de naissance. Dans le chat, il y a des gens qui ont des tâches de naissance. Mais attends, déjà, la tienne, elle est comment? Moi, c'est un peu une tâche. Non, mais montre-la, arrête non, de décrire. Non, montre-la. Non, c'est... Tu vois l'Australie? Je voulais voir jusqu'à où il allait. C'est clair. Attends, vas-y, monte ta bite. Vas-y, monte-la si t'as une tâche de naissance sur la bite.
Quelqu'un qui se rend pas compte, tu sais, qui le fait de manière totalement candide. Mais il si, regarde, c'est l'Australie, là, regarde, il y a Perth, il y a Melbourne. Voilà, Johannesburg, là, regarde, le mec qui est absolument pas sur l'Australie. Ça, alors ça, tiens, regarde, tiens, tu veux des gens qui m'énervent. Ah, voilà. Les parents qui pensent que leur gamin, soit parce qu'il bouge un peu trop, est hyperactif, soit parce qu'il arrive à colorier sans dépasser, est hyper intelligent. À un moment donné, faut se détendre. Tu vois, votre gamin, ok, il est différent peut-être, c'est votre gamin et tout. Mais j'en peux plus. Alors... Je suis à bout. Des parents qui donnent des prénoms bretons. J'en peux plus aussi, tu vois. Les mecs inventent des prénoms. Ted, il prend tous les trucs. Ah non, ouais. Il commence par les HPI et après. Mais rien à foutre. Et les prénoms bretons aussi. J'en peux plus, je suis à vous. Il a non, mais Enguerrand est HPI. Laissez-le tranquille. Ouais, voilà, exactement. Il connaît tous les X-Men par cœur. Oh là là, quel enfer. Alors, regardez, c'est j'ai trois notes de flûte, putain, c'est un génie. C'est Beethoven. Mais alors, nique-toi. Moi, j'ai deux anecdotes là-dessus. Il y a pas longtemps, il y a la maîtresse de mon école. J'amène mon fils qui a 3 ans, il fait et lui c'est un champion hein, lui c'est... devant tous les parents, tu sais, mais pourquoi c'est un champion? Je me dis, il a dû casser les couilles à tout le monde, ça, machin. Non, il est vachement, il est fort, il a fait un puzzle de 42 pièces à 3 ans. Je dis, ouais, c'est... pour moi c'est rien, tu vois. Et en fait, je trouve que maintenant, même un truc normal un peu plus, on te dit tout de suite que t'es non, en fait, c'est juste qu'il aime bien les puzzles. Je trouve ça balèze quand même. Oui, mais après, oui, parce qu'après, moi, non, c'est je déconne, que... c'est une blague, j'en ai rien à foutre, on s'en bat les couilles. Le mec, il partait sur. Non, mais oui, peut-être que. Non, on s'en bat les couilles, non, c'est une blague. C'est juste que je dis que moi, je fais beaucoup de puzzles avec mes enfants, parce que j'aime pas faire d'autres jeux. Tu sais, les jeux de bagarre et tout, ça me fait chier, donc je fais beaucoup de puzzles. Et mais autre truc. Tu t'emmerdes un peu, non? Comment ça se passe? Non, j'adore les puzzles. Ah, pour moi, le puzzle, c'est vraiment des puzzles. C'est des puzzles de la ville de Grenoble ou. C'est des puzzles Batwheel? Est-ce que. Est-ce qu'après tu les encadres? Parce que non, c'est ça qui ça, m'importe, moi. Ah, c'est ça, je fais pas, je fais pas. Ça, c'est horrible. Il y a un de mes collègues qui me dit, oh, j'ai fait un puzzle de 1000 pièces. Mais je lui dis, t'en as fait quoi? Après, il fait, je l'ai encadré. Ça va être dégueulasse, mais non, c'est beau. Je crois que c'est le port de je sais pas quoi. Alors, je vais peut-être émettre un. Il vivait pas à Paris. Si, ouais, ce que je dis, il avait beaucoup de murs. Il t'en pour lui pouvoir encadrer des puzzles, tu vois ce que je veux dire. Et beaucoup de temps libre. Non, mais vraiment, je vais émettre un jugement. Vraiment, pour moi, le puzzle, je crois que, à part. Faire une bataille avec mamie ou une partie de petits chevaux, je crois que c'est vraiment la dernière activité que je ferais dans ma vie pour m'occuper, tu vois. Je préfère m'épiler les burnes avec de la cire chaude, tu vois. Au moins, je trouve qu'il y aura plus d'émotion que de faire un puzzle. Non, mais le puzzle, bon, bref, on va pas parler pendant 2 heures du puzzle, mais moi, mais voilà, j'aime bien. Et un dernier anecdote sur le HPI, il y a ma femme qui est sur. Il a balayé le sujet puzzle en 2 allez secondes. Voir, mais. Il est à 2 doigts. Allez voir mes vidéos de stand-up sur les HPI plutôt, au lieu de voir, regarder cette émission-là. Tous les 31 personnes là, qui nous suivent. Et non, c'est ma femme, elle est. Tu sais, il y a des groupes Facebook. Genre les mamans de telle ville, tu vois, moi je suis à Clamart, donc c'est les mamans de Clamart. Et il y en a une, elle fait comme ça, elle fait voilà, bonjour à tous, en anonyme, bonjour à tous, je suis dépassée un peu, ma fille a 2 ans et je crois qu'elle est déjà HPI. Tout le monde n'arrête pas de me dire autour de moi qu'elle est en avance, qu'elle parle mieux, et je suis débordée par tout ça, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que. Et l'enfer, la gamine, elle a juste 2 ans et elle a juste pas. Elle fait caca dans des toilettes, tu vas tout de suite te dire qu'elle est HPI, laisse-la tranquille cette gamine, moi ça m'a vénère ça. Non mais Léopold, la véritable information de ton truc, c'est que t'es dans un groupe de mamans. Non, c'est de ma femme. C'est ma femme. Ouais, c'est ça, mon cul, ouais. Qu'est-ce que tu fous dans ce groupe de mamans, Léopold? Bonjour les filles, comment ça va? Le loup dans la bergerie, celui-ci, je te jure. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, face stat. On l'avait fait la semaine dernière. Ted, je t'explique, c'est très simple. Je vais te donner des faux stats et on va devoir réagir à ces stats comme si c'était des vraies statistiques. Ok? D'accord. Okay, voilà, okay. C'est un petit truc d'impro. Est-ce que vous savez que 40% des hommes qui ont. Enfin, pardon. Est-ce que vous savez que 40% des hommes ont le pénis qui pue? Voilà. Est-ce que. Je vais t'enculer. Vraiment. Non, mais le choix de l'introduction est terrible. Les gars, c'est-à-dire que attends, le mec gars, commence le jeu de la bouteille. Non, mais bah, non, on va pas faire. Je vais t'enculer dans le. Il n'y a pas la phase de. Eh, viens, on se caresse la main, viens, on se fait un bisou. Non, non, lui direct, c'est baisse ton froc. Et ah, là, je... Non, mais pire, c'est qu'en fait, il a eu. Toi-même, t'as fait genre, eh viens, on prend du lubrifiant. Parce qu'en fait, mais t'as oui. dit, c'est quoi le truc du prêtre? Mais oui, j'ai Il a tranquille. Dit, non, on va pas faire le truc du prêtre. Sous-entendu que le truc du prêtre, c'est trop. C'est trop. Et après, il nous fait celle-là.
Putain, mais non, mais sans deck, putain. Oh là là, mais gars, tu burn vite, hein. On a... Et ça, c'est la plus tranquille. Il y avait d'autres trucs, non, que je t'ai pas fait. Mais moi, juste vite fait, la deuxième qu'on rigole vite fait, mais... Non, mais plongeons, fou, plongeons dans cette news. Dans allons-y. Le pénis qui pue, bah, déjà, petit A, j'adorerais voir le protocole de cette étude scientifique. Parce que ça veut dire qu'il y avait tous les stagiaires et les assistants du truc qui étaient en mode genre, toujours pareil, hein, paperboard, et ils sont là, ils font « Non, ok. » Mais c'est surtout à quel niveau tu dis ça pue. Enfin, tu vois, des fois, il y a des odeurs que certains aiment et d'autres et oui, pas. Tu vois. Donc, mais déjà, en fait, faut je crois qu'ils passent par tous les assistants. Ils passent souvent, ouais, disant « Ah non, moi j'aime bien cette petite odeur de musc. Il y a un peu de mayonnaise aussi, non ?» Oh putain, mais, non, mais c'est un truc de ouf. Non, mais là, en plus, c'est savoir sur combien de personnes. C'est sur 100 mecs ou sur 1000 mecs? C'est sur 1000, hein. Minimum 1000, hein. Une bonne satin. N'importe quoi. non, mais minimum 1000 pour une bonne, oui, mais ça, c'est peut-être pas une bonne étude scientifique, qu'est-ce que tu racontes? Ils l'ont fait sur 3 personnes, en fait. Et ils ont arrondi au supérieur. Mais après, je sais qu'il y a des mecs, alors je sais pas si vous le faites, et je ne vous demanderai pas par pudeur, mais il y a des mecs qui adorent se caresser rapidement et se sentir la main après. Tu vois, l'entraîneur du football de l'équipe allemande, ouais, le faisait, lui. Sur l'anus, sur le bord du... Ils n'étaient pas un anus, non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais il se frottait les couilles ou l'anus et il sentait les doigts, mais je crois que c'était l'anus. Mais comment tu veux te frotter l'anus devant tout le monde? Le mec est sur le bord d'un terrain de foot. Est-ce que tu le vois se mettre un watt et se sniffer? Non, mais putain. Mais tu le vois se toucher la bite et se sniffer? Oui, mais c'est ce qu'il a fait. Ça, par contre, il l'a fait. Mais il n'a pas une acrobatie terrible à se mettre un watt dans l'arrêt et se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Quel enfer. Le gars, il regarde une caméra, il fait genre. Vas-y, filme ailleurs deux secondes. Ouais, il se met à quatre pattes, il se touche le truc et oh là là, sort ça comme si c'était normal. Alors vas-y, enchaînons sur la deuxième, on va rigoler. Nouvelle stat, 62% des Français détestent les Restos du Cœur. Bah faut voir la bouffe qu'on nous sert là-bas, hein. C'est vrai que c'est pas ouf, hein. C'est pas du 4 étoiles. Hein. Que des restes, quoi. Ah ouais, non, que mais... des restes, des conserves premier prix, mais qu'est-ce que... Attendez. Ah ouais, moi j'y suis allé une fois, quand je suis rentré, j'ai regardé le paquet de Royal Canin de mon chien différemment. Hein. Je me suis dit, il y a un coup à jouer, tu vois, vraiment, c'est... Quel enfer. Moi, donc là, en vrai, on sait que c'est faux, parce que 62% des Français disent pas... Ah, les pénis aussi, c'est faux. Oui. Bon, en vrai, franchement, sincèrement, je suis sûr que s'il y avait une vraie étude... Je suis pas sûr que le 40% soit ouf non plus. Alors, petit moment promo, moi j'ai écrit pour les Restos du Cœur. C'est le moment. Ah ouais ? Ouais, ouais, j'ai écrit des sketchs pour les Restos du Cœur. Ouais, pour le spectacle. Ah, trop bien. Il a écrit un menu. Pour... Oui, un menu gastro. Ah, trop bien, ça je savais pas, ça c'est cool. Ça. Ouais, donc, les trucs entre les chanteurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Patrick Fiori qui m'a mis sur le coup et. Patoche. Et donc je me suis retrouvé à écrire. Oui, on s'appelle Patoche. C'est trop marrant parce que. C'est le pire. Dans ma tête, c'est le gars le plus difficile à atteindre qui te met sur un plan. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que. C'est... Ah ouais? Toi, tu trouves que Patrick Fiori, ouais, il est inatteignable. Qui m'a mis sur un plan. Parce qu'en fait. Tu dirais un humoriste, que ce soit un autre humoriste qui le mette sur le plan, je comprends, mais ouais, que ce soit Patrick Fiori. C'est que c'est. Ah, mais gars, moi je commence direct par le parrain, tu vois. Goldman n'était plus là, j'ai attaqué Fiori. C'est Coluche en fait, ils ont retrouvé. dans son testament, il a parlé de moi, apparemment, il voyait le futur. Alors, par contre, en vrai de vrai, t'as une sacrée pression, je trouve. Parce bah, que tu m'étonnes. Dis, putain, si toujours dans la dynamique de dire si Coluche il voyait le spectacle, et s'il en serait fier ou pas, il faut savoir que quand t'écris pour les Restos du Cœur, c'est très compliqué. Bah, tu m'étonnes. À toi qui es humoriste, tu vas pouvoir t'en rendre compte. Dans l'idée où vraiment, il y a plein de sujets qui sont fermés, et en gros, on retourne vraiment à l'ambiance musicale. Ouais. Avec vraiment de la blague de cul relativement basique, quelques perruques et basta. C'est pour ça que les skates sont jamais mirobolants. Mais parce oui. qu'en oui, fait, oui. Ils veulent pas choquer aucune communauté, aucun public. Ah bah putain, je peux te dire que c'est raide hein, quand même. Hein, c'est parce dur, que... mais je comprends. Tu vois, leur truc c'est qu'ils doivent parler à tout le monde. Le but c'est de ramener des thunes. Enfin voilà, tu vois. Tu ouais. peux pas faire du Ferrari quoi. Mais je comprends, mais ok. Ah mais c'est hyper intéressant. Et genre, t'as écrit vraiment tous les sketchs avec Non, j'ai pas écrit.
j'ai pas écrit tous les sketchs. Oui, on était plusieurs. Il y avait Malik Bentala qui écrivait, il y avait Michael Youn, il y avait des potes à Michael Youn qui étaient là aussi. Enfin bref. Non, il y avait du monde qui écrivait. Hein, c'est cool. Ted qui était là avec un pins Patrick Fiori, je veux savoir. Putain, quand t'appuies sur la tête à Patoche, ça fait une chanson à lui. J'aimerais trop ça. Je suis intouchable, moi, ok. Mais c'est vrai que quand t'arrives et que t'es là, t'es le seul trou de balle inconnu au bataillon encore une fois, comme pour Astérix, tu sais, vraiment, je me retrouve au banquet, je sais pas ce que je fous là, entouré de Gilles Lelouch, Big Foley et compagnie. Et là, je me dis, bon, bah oui, qu'est-ce que je fous là? Bon, bah merci, Patoche, quoi. C'est trop bien parce que Ted, il est là, genre, en fait, il mange son sanglier, quoi. Il est là, oui. je sais pas ce que je fous là, mais. Ah non, mais moi, je me suis retrouvé à une table, c'est vrai, dans Astérix, il y avait 47 personnes autour de la table, Pierre Richard, Lelouch, Canet, vraiment du gros level, Ramsey, bref, Cohen. Et toi, t'es là, tu qu'est-ce que je fous là? C'est clair. Et les mecs sont vraiment en ambiance gaulerie sanglier, clac. Non, franchement, c'était. Ah, c'est cool, c'est une belle expérience. Hein. Ouais, mais des fois, t'as l'impression d'être spectateur de ta vie, tu sais. T'es à un endroit, tu fais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais c'est bien, j'y suis, alors c'est cool. Allons, on y va. Et ce qui paraît, c'est que t'as eu la même sensation au début de ce podcast, mais pas avec Jonathan Cohen ou quoi. Ah, exactement. Mais... Autre sensation. Alors vas-y, enchaînons sur la deuxième, on va rigoler. Nouvelle stat. Putain, il a taffé quand même. Hein. Il y a et oui, hein, j'ai vu qu'il avait bossé. Hein. C'est bien. Oui, c'est ça bien. Bosse un peu. Et puis j'essaie de trouver des nouveaux trucs. J'adore, c'est qu'il a bossé sur 20 000 news et nous, on a quand même eu le droit au pénis qui pue. Hein. Au pénis vraiment, qui pue, exact. Il s'est arrêté là-dessus. Exact. Mais moi, j'ai pleuré de rire pour le pénis qui pue. En tout cas, nouveau banger, nouveau concept, le red flag. Donnez-moi, les gars, les red flags lors d'un premier rendez-vous avec une personne. Tu vois, genre avec une meuf ou avec un gars, quel est... j'ai envie de dire le pénis qui pue, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, le premier red flag, genre t'es au restaurant, tes premiers rendez-vous, il y a la meuf ou le gars qui dit quelque chose, et t'es là, tu dis, ça sent mauvais. C'est très ouvert quand même comme question. Bah oui. Ouais. Mais premier red flag, c'est genre, mais je follow Léopold Artiste sur Instagram. Déjà dans le chat on dit elle parle ch'ti. Moi je sais que si tu vois, c'est les réflexions de merde au serveur, tu vois, tu sais, un peu désagréable avec les serveurs, avec les gens autour de toi. Ah oui, non, mais ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, tu vois. Ça, c'est et pas je crois possible. Que ouais, si je devais faire un top 3, je pense que premièrement hautain, comme tu viens de le dire, deuxièmement radin, ah oui, et troisièmement d'extrême droite. Je crois que ce serait vraiment les trois trucs où je me dis off. Là, on a atteint des limites quand même. Ouais, là, on est pas mal. C'est clair. Non, mais... c'est vrai que, tu vois, je pense... Non, elle peut être de droite. Oui. Elle peut pas être d'extrême droite. D'extrême droite, c'est compliqué. Oui. Alors, j'appelle mon pote Abdel. Non. T'es sûr? Non, tu veux pas. C'est vraiment le truc. Dans le chat, on dit, il est moi-je. C'est vrai que les moi-je, les gens qui sont toujours à moi-je, c'est un peu infernal parce que on essaie d'avoir une conversation ensemble, quoi. Ça, c'est un peu compliqué. Non, moi, ça me va. Moi, j'aime pas parler, donc c'est pas mal. Moi, en fait, je suis là pour du divertissement dans un date. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire, si t'as des moi-je et que t'as des bonnes anecdotes, on y va. Bah, qu'est-ce que t'as dit à Malik Bentala, alors, autour du reste du cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois ce que je veux dire? On y va. Non, mais c'est vrai que dans l'idée, moi, le moi-je, ça me dérange pas. T'es un entretien d'embauche lors du premier date. C'est vrai. T'es quand même en mode en train de te renifler. Bon, alors, comment ça se passe? Est-ce qu'on pourrait aller au moins à un deuxième date? Mais avec mon ex, mais même parler de ses ex, moi, je m'en fous, tu vois. C'est ouais, c'est clair. Moi, je trouve que j'ai toujours trouvé ça bizarre, d'ailleurs, les gens qui disaient, genre, les gens qui parlent trop de leur ex et tout. Alors, moi, c'est juste ça explique la psychologie de la personne. Alors, effectivement, peut-être elle est trop dans le passé, mais ça va vite s'oublier. Après avoir senti un pénis qui pue. Non, moi, c'est plus s'il parle de moi, ça me dérange un peu les ex, mais sauf si elles sont connues, tu vois. Moi, je trouve ça cool. Après, je me dis, ah ouais, t'es sorti. Moi, j'ai couché avec des meufs juste parce qu'elles avaient couché avec des mecs connus, tu vois. Donc, c'est du coup un peu, moi, c'est quoi? Ouais. Quoi? Juste pour être Eskimo Brother avec quelqu'un, quoi. Ouais, ça, avec Tequila Tex. Et je l'ai rencontré il y a pas longtemps, Tequila Tex. Avec Tequila Tex. Ouais. Tequila Tex, il est censé être connu. Du c'est coup, qui ça, Tequila Tex? Bah, c'est le chanteur de TTC. C'est Tex quand il prend de la tequila. Mais non, Tequila Tex, c'est le chanteur de TTC. Tu vas dans un resto mexicain.
C'est quoi tu parles? Et la meuf, elle me dit, ouais, j'ai couché avec Teki Atex. Je suis, oh, mais moi, j'adore Teki Atex. Oh, putain, Teki Atex. Il y a combien de temps? Est-ce que ça a le même goût? Attends. Oh, la meuf, elle a couché avec Teki Atex et toi, tu finis ton verre, tu fais, allez, c'est bon, tu m'as eu. Viens, on rentre chez moi. C'est clair. Ah, tiens, et exactement, tiens, tu vois, ma nana, Cartimouche, bon réflexe, vegan. Putain, tu me dis que t'es vegan, c'est fin du buzz. Ah ouais. Ah, je suis déjà sorti avec une végane. Ah mais toi c'est mort, toi c'est compliqué. Non mais au début tout marche, tu vois, c'est non mais t'inquiète, tu peux faire ta côte de bœuf, il y a pas de souci. Et puis au bout de deux mois c'est non mais est-ce que tu pourrais faire ta côte de bœuf dans une autre poêle, est-ce que tu pourrais même la manger à un autre moment, et est-ce que tu pourrais bien te faire foutre ouais aussi à un moment donné. Putain de merde. Ah non mais ça c'est horrible. C'est énervement, putain. Ah, du... C'est trop bien que genre chez Ted c'est une boucherie charcuterie en fait, c'est genre les... il a des il a des murs en magret et tout, et il fait genre, oh putain, fais chier. Mais non, mais ils cassent les couilles avec leur fromage de merde, là. Oui, oui. Ah, le fromage, mais... c'est l'infernal. Le... Non, ah, mais là, par contre, en fait, moi, c'est ça, c'est les gens qui se présentent. Moi, je préfère, c'est pour ça que je préfère des gens qui parlent même de leur passé ou ce que tu veux, mais il faut être honnête, parce qu'en fait, il y a un truc, genre, s'il y a quelqu'un qui te dit, ouais, moi, je suis vegan, mais ça me dérange pas que tu manges de la viande, et qu'en fait, ça te dérangeait, mais t'as masqué ça dès le début. Ça, c'est autre chose. Moi, j'ai un plan de drague très carré. Ah, ça, j'aime ça. Alors, tiens, je le donne pour ceux qui veulent. Le premier day, pour moi, c'est forcément un bar, déjà. Ah, un bar, parce que tu payes une bière, une pinte, t'en as pour 10 balles, tu t'en fous. Tu manges quelques tacos, c'est sympa. Mais surtout, tu peux te tirer. Si l'ambiance n'est pas bonne, tu peux te barrer. Et si l'ambiance est bonne, tu cadres le rendez-vous autour de deux bonnes heures. Tu peux parler et après, on se redonne un deuxième date pour un petit resto plus sympa, plus discuter, et un troisième date, tu fais un cinoche, etc. Et au bout du troisième date, t'emballes. D'accord ? Tu ne perds pas de temps parce que sinon, après, vous devenez des potes et c'est foutu. Mais donc voilà, le premier date, moi, ça ne me dérange pas de payer. Même le deuxième, en vrai, voilà, c'est toi aussi qui invite. Ça montre une certaine... voilà, après, si elle veut payer... Stabilité financière. Exactement. Une certaine stabilité. Regarde, ça, c'est un billet qui m'a été donné par Patrick. Et regarde, je le glisse au monsieur là-bas. Ah, mais je le donne. Non, c'est... Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne. Allez, nouveau banger et dernier banger de l'émission. Explique-moi en 30 secondes un fait historique. On va commencer par Eski. Par Eski. Explique-moi en 30 secondes la fin de Louis XIV, Areski. Explique-moi la Shoah. Alors, bonne ambiance. Non, mais si, t'allais dire ça. Non. C'est des événements historiques terribles. Donc arrête tes conneries. Non, attends. Tu mets pas dans la sauce avec ça. Hein. Attends, Ted, attends le tien. Attends le tien. Ouais, voilà, voilà. Je le disais, enfoiré. Je vois venir. Non, toi, non, il est pas du tout comme ça, mais il est dur. Voilà. Donc... La fin de Louis XIV, c'est assez. C'est le parcours classique d'un roi. C'est qu'en fait, il se fait prendre dans ses propres geôles et il est remplacé par son jumeau qui avait un masque de fer. Et voilà. Et il finit sa vie dans... en prison. Pour toi, les films, c'est la vérité, Areski ? L'homme au masque de fer, c'est la vérité de ce qui s'est passé de Louis XIV, oui. Moi, je l'ai vu, il y a Leonardo DiCaprio. Oui. Tu sous-entendrais que Leonardo DiCaprio ment ? Allez, maintenant, là, je sais que Ted, il attend un peu. Là. Non, bah, tu sais, j'ai le doigt sur la Croix-Rouge en chemise. Non, hein. T'inquiète pas. Ted, explique-moi en moins de 30 secondes le Moyen-Âge. Ah oui, c'est même pas un fait historique, ouais, là, c'est juste, une époque. 1000 ans. Explique-moi 1000 ans, en fait, s'il te plaît. Est-ce que tu peux, mais vraiment, en manière très condensée, hein, m'explique. Bah, vous savez quoi ? Vous prenez le DVD des Visiteurs 1, les Visiteurs 2, les Visiteurs en Amérique, vous vous les fouez, là, le 3, et puis, voilà. Le 3 aussi. Oh putain, oui, il y a un 3. Oh, j'avais oublié un 3, putain. Oh l'enfer. Non mais voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que je t'explique le Moyen-Âge en 30 secondes, mon âge ? Mais c'est horrible. Mais c'est, voilà, c'est... C'est pareil qu'aujourd'hui, les gens étaient tout aussi pauvres, les riches étaient tout aussi riches, oui, on s'en foutait du peuple, voilà, bon bah finalement on n'est pas, voilà. Il y avait 90% des gens qui avaient le pénis qui puait, et ça, il faut le rappeler, bien sûr, à cette époque-là. La seule différence, c'est les téléphones et les voitures, voilà. Ouais. Mais Grenoble n'existait pas, et ça, c'était ça, vraiment c'était pas mal. On les remercie. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Marie-Jeanne. Je vais vous faire deviner l'invité du prochain
podcast. À vous de le faire. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme très très connue, bien sûr. Elle est comédienne. Elle est comédienne. Elle a joué dans des films français. Elle Blanche joué... Gardin. Comment? Blanche Gardin. Non. Oui. Oui, Ted, on va recevoir Blanche Gardin la semaine prochaine. Bah, oui. Attends, alors pourquoi vous ne pourriez pas recevoir Blanche Gardin? Exactement. C'est une femme très accessible. Exactement. Hein. Alors, je t'avouerai que Areski, c'est un peu le principe. Je t'expliquerai après le principe quand même. Donc, du coup, elle a joué dans des films. Elle a joué dans une grosse. Je sais plus s'il y a des trilogies, mais françaises, des films les plus connus. C'est vraiment un film qui a cartonné. Après, la fille, elle a joué dans. Elle a eu un César. Les Visiteurs. Elle a eu un César. Valérie Le Mercier. Elle est en train de dire que là, tu vas recevoir un César. On est en train de parler de ouais. quelqu'un. Qui a reçu un César. Exactement. Elle va venir la semaine prochaine, Exactement. Vendredi. Elle va se connecter avec son micro qu'elle a chez elle et sa webcam. C'est ça que tu es en train de me sous-entendre. Et tu vas lui faire les statistiques du pénis qui pue à une meuf du César. Ouais. Ah, mais vraiment. Et la meuf, tu vas passer 35 minutes à essayer de la transformer en homothétie sur ton truc pour faire un reel sur TikTok après. Mais oui, parce qu'après, ça fait TikTok, alors c'est pas mal. Non, mais quel enfer. Et ben on embrasse Marion Cotillard qui va s'éclater avec toi. En tout cas. Non, mais... Oh merde. Eh ben j'ai hâte. J'ai hâte qu'elle soit là, Marion. Non, qu'est-ce que je voulais dire ça, c'est qu'en fait, je me suis dit, tiens, mais il faut que je prévienne à l'avance, je pense. C'est une affaire de finir ouais. Faut la prévenir elle à l'avance, oui, non. Je pense que c'est mieux, ouais. C'est bien vous. Donc en fait, comme ça, après, je fais un montage. Et après, les gens, ils croient que dans le podcast, on invite Marion Cotillard. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? C'est la fin du podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à Ted qu'on te retrouve. On te retrouvera, bien sûr. Bah, on a encore nos carrières, donc ça va. Ça va, cool. Tu vois, c'est pas mal. J'ai dérapé deux, trois fois, mais ça va. Ça va, on sait quand même tout. Cela dit, juste avant de me déprise, peut-être tu devrais tenter d'envoyer une invite à Marion Cotillard via Patrick Fiori, peut-être. C'est ça. Est-ce que tu peux nous aider aussi. Il connaît. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment, Ted. Oui, super. Franchement, c'était drôle. Mais non, mais tu voulais quoi, que je fasse une macarena? J'ai passé un bon moment, C'est drôle. C'est toujours un peu. Et je te remettrai sur les réseaux, je mettrai tes réseaux bien sûr en description. Ah oui, n'hésite pas. Ted, c'est quoi ton prochain projet? Prochain projet, en ce moment, je suis dans un film qui s'appelle Iris et les hommes avec Laure Calamy qui est sorti au cinéma la semaine dernière. Oui. La semaine prochaine, j'ai De l'argent et du sang partie 2 avec Vincent Lindon qui sort sur Canal+. Ah, trop bien ça. Il paraît que c'est cool comme série là. C'est une excellente série, vraiment, je dis pas ça parce que je joue dedans. Vraiment, c'est incroyable. Mais oui, tout le monde dit c'est genre le The Wire, enfin dans l'histoire des séries françaises, c'est vraiment le truc top quoi. Ouais, pardon, bah c'était cette série, redites-moi le nom. Regarde du coup. D'argent et de sang. Et en fait, c'est l'histoire d'argent de sang, okay. C'est l'histoire de l'autre gros naze là, que je déteste. Franchement, je m'en fous là. Le gars qui pote avec Hanouna là, tout ça là, c'est l'histoire. Oui, voilà, ouais. Fitouz et compagnie. Ouais, voilà, je le déteste. Donc j'ai ça, j'ai bien sûr dimanche sur Twitch Samuel Etienne. Oui. Et bien une soirée autour de Detroit Become Human qui est mon jeu préféré. Ouais, c'est un bon jeu. Donc on va se révéler, il y aura du saucisson et tout ça va être vraiment quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? TF1 Brosséliande avec Nolwenn Leroy qui sort au mois de mars. Mais non, tu joues dans Brosséliande? Oui, je joue dans Brosséliande, ouais. Non mais moi, j'adore parce que ça fait penser à Dolmen, ça me rappelle. Mais c'est exactement ça. Mais hein. Oui, c'est produit par Farrugia, donc mais vraiment tu joues un druide, tu joues quoi? Je joue un flic. Oh. Je mène une enquête. Un warlock? Non, ok, d'accord. Un warlock, c'est l'enfer. Donc, voilà, vraiment, plein de cool. Bons projets. Moi, je suis content. Tournage pour Astrid et Raphaël, Simon Coleman. J'ai plein de bonnes choses pour ce début d'année. Et Areski, on te retrouve où? Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est vraiment un bâtard, t'as vu un peu? Mets-lui un schlass, là. Mets-lui un petit taquet, là. Non, mais moi je prends pas ça du tout mal. Si Brosséliande veut que je joue un flic, y a pas de souci. ou j'imagine un voleur d'autoradio, c'est TF1, donc là, je sais pas. On embrasse bien sûr les TF1. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et bien sûr à mettre des commentaires positifs et des étoiles sur Spotify. Vous nous retrouvez toutes les semaines aussi en direct sur Twitch vers midi. Merci beaucoup à vous et bisous le podcast. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Marie-Jeanne.
Allez, vas-y. Mais en fait, c'est quoi l'humour ?